Et zanli! Voilà les gars, d'ailleurs, juste pour vous dire, je fais gagner 5 passes pour les 50 000 abonnés parce qu'on les a passés sur YouTube et j'avais dit que je faisais gagner des passes sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller follow le compte Ruski, le lien dans la description, les potos, ou alors aller chercher directement sur Instagram. Il y a 2Y, 2U, 2S, voilà, c'est très simple. Et il y a aussi le giveaway, voilà, je fais gagner 5 passes royales sur le jeu. N'hésitez pas à aller follow, faut juste aussi aimer la publication pour participer. Le tirage au sort se fait dans 48 heures, voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez gagner un petit pass, c'est offert par la maison. Et voilà, c'est pour aussi fêter les 50 000 abonnés. Un gros, gros, gros merci à vous. Je vous embête pas plus longtemps, on peut passer directement à la suite. J'espère que vous allez bien les potes, c'est Ruskov. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les gars, ça va super. Aujourd'hui... nouvelle vidéo, voilà, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, etc. Bon, tout simplement parce qu'en ce moment, les gars, je suis malade et tout, et j'avoue, j'ai pas pu vous tourner cette vidéo avant. Mais voilà, là, je suis un peu mieux, etc. Du coup, aujourd'hui, les gars, je voulais justement vous parler de mon record de fin de saison. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont pas au courant et tout, mais du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que voilà, c'est vrai que la saison dernière, qui date d'il y a 4 jours. Les gars, on a explosé le record. Je vais vous montrer ça directement. Vous allez même pas comprendre, je crois. Ok, voilà, les gars. On est sur le jeu. Et là, je vais vous montrer directement mon profil. Regardez. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Eh ouais, frérot. On a tout dégommé la saison dernière, mon gars. C'était absolument incroyable. Les gars, j'ai fini 31 mondial à 8000. 134 trophées. Alors voilà, pour ceux qui ont vu la plupart la vidéo où j'avais fait la première fois 8000 trophées, mais je me suis pas arrêté là. J'ai tout donné. Bon, alors par contre, ça m'a coûté une petite nuit blanche, on va pas se mytho. Mais bon, c'est vrai que j'en fais pas souvent et je me suis dit, vas-y, pour cette saison-là, allez, je vais me donner à fond, on va voir ce que ça donne. Écoutez, je me suis donné à fond et écoutez, franchement, ça a bien payé, donc je suis content. J'ai battu mon record de 10 places, ce qui est quand même... De 11 places, même. J'avais un top 42 monde. Et maintenant, les gars, j'ai un top 31. Et je suis trop, trop content. J'ai tout donné la saison passée. Et franchement, ça, j'ai trop géré. On a fait 8000... Vous vous rendez compte, quand même? Genre, à la base, je voulais m'arrêter à 8000 trophées. Mais après, j'ai vu que si j'allais finir genre 150 mondes, j'ai fait, ouais, bon, on va peut-être un peu se la donner. Et au final, j'ai fait 8134 trophées. 31 mondial. Là, j'ai tout dégommé cette saison, les gars. J'ai tout dégommé, je suis hyper content de cette performance. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez ça complètement insane ou nul. Nous, on veut du top 1, on veut du top 1, frérot. Mais ouais, non, franchement, je suis hyper content, j'ai battu mon record. Mon record, il datait de 5 mois, le top 42 monde. Et voilà, 5 mois plus tard, on fait un top 31 et on verra si... peut-être dans 2 mois, on fera un meilleur top, je sais pas, peut-être cette saison-là, hein, peut-être la nouvelle saison d'ailleurs, qui vient de sortir sur le jeu, avec le nouveau skin de tour, je suis actuellement en palier 10, le nouveau skin, qui est plutôt d'ailleurs stylé, mais ouais, peut-être que cette saison, on fera, les gars, un gros top, on sait pas. Par contre, on pourra pas faire les 8000 trophées, vu que la saison dure 28 jours, un truc comme ça, vous voyez, il reste 23 jours, on pourra jamais faire 8000 trophées, ça c'est impossible. Franchement, voilà, je suis plutôt content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette performance, et franchement, dites-moi un peu vos avis, les gars. C'est vrai que je lis tous les commentaires, mais dites-moi un peu, et voilà, enfin, en tout cas, moi, je suis hyper content, et on a tout dégommé, et franchement, je suis trop content. Voilà, au fait, d'ailleurs, je voulais vous montrer des gameplays, etc., mais bon... j'avais créé un clan pour ça, j'avais mis des games, sauf que Supercell ont fait une mise à jour pour la nouvelle saison, et toutes les games se sont effacées, en fait, du clan et même de mon journal d'activité, j'avais toutes mes games qui étaient effacées, donc j'ai pas pu vraiment vous montrer des games et tout assez intéressantes, mais je me suis dit, vu qu'on est dans la nouvelle saison, je suis actuellement 515 mondial, en vrai les gars, est-ce qu'on se lancerait pas en ladder pour cette vidéo, histoire je vous montre 2-3 petits gameplays, comment jouer mon deck. Je vous mettrai bien sûr mon deck en description. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est un deck que j'ai créé il y a 2 mois, qui est énormément joué sur le jeu. Presque autant, bah, je crois autant, voire plus que la version avec l'Arche Magique. Parce qu'il y a 2 versions de ce deck, hein. Il y a ma version et une deuxième avec l'Arche Magique. Je sais pas d'ailleurs qui l'a créé, mais j'ai déjà lu parce qu'elle est jouée. Et voilà, franchement, voilà, il y a 2 petites versions. Dans ma version, tu peux jouer la roquette ou le poison, à vous de voir un peu. Et franchement, voilà, au niveau du deck, je vous le mettrai bien sûr, voilà, en description. Et sinon, les gars, est-ce que vous êtes chaud? Je vous fais 2-3 petites games avec, histoire de savoir un peu comment jouer. Et bah écoutez, sans plus attendre, on est parti, frérot, let's go!
Ah ouais, au fait, les gars, je viens de voir qu'il y a une petite offre dans le shop assez sympa. Écoutez, 5 euros, on a une petite émote et tout, donc vas-y, moi, je vais la prendre directement, mon pote. Allez, go, on y va, mon gars. Hashtag pack opening, gros. Allez, let's go, je la prends tranquillou. Ok, paiement a bien été effectué. Let's go, mon gars. Oi. Nouvelle émote, nouveau coffre, ça, c'est ça qui fait plaisir. Ok, on a quoi? Gang de gobelins, on a du géant, des flèches, peut-être une légendaire. Attention, 13 roquettes. Oh! Ah, dommage, on a failli avoir les légendaires. 3 princes et 5 fleurs. On a eu 3 épiques, hein. 3 épiques dans le coffre. Dans le coffre magique. Putain, ok, je pensais pas. Ok, voilà, les petits coffres. Petit pack opening avec la nouvelle émote. Ça fait toujours plaisir, mon pote. Ça fait toujours plaisir, bien entendu. Allez, let's go, poto. Voilà, bah, écoutez, j'ai trouvé une première game. Bon, en vrai, je suis 500 mondes, donc ça va. Ça trouve relativement vite, donc ça, c'est cool. Bon, on a quoi? On a Mineur Sapeur. Ok, bah vas-y, Mineur Sapeur. On n'a pas la tornade. Bah vas-y, je vais mettre ça et ça. Hein. On va mettre directement la tornade. Pour le cochon, donc c'est du cochon. Donc là, ça devrait le faire. En plus, c'est du 2.6. Donc, honnêtement, cette game, elle devrait être plutôt tranquille. Voilà. Normalement, cochon, c'est assez simple. Surtout quand vous jouez mon deck. Et alors, si jamais vous en avez marre des cochons, parce que je sais qu'à 5000 trophées, 4000 trophées, vous tombez vraiment sur beaucoup de cochons, apparemment. Bon, moi, ça fait un bail, je suis de la 4000 trophées, donc je sais pas vraiment. Mais apparemment, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cochons et tout. Et c'est vrai qu'avec mon deck, les gars, franchement, vous avez un match-up vraiment pas si dégueulasse que ça. Contre le cochon, donc ça, c'est plutôt cool. Notamment contre les 2.6, hein, les 2.6, en général, c'est assez simple de gérer un 2.6. Là, par contre, il a super bien joué. Bon, normalement, les sapeurs qui vont connecter. Voilà, les sapeurs qui connectent. Nous, on a mis pas mal de coups. Il a claqué sa bûche, on a des petits gobelins et encore le sorcier à défendre, donc là il va devoir défendre, clairement. Tu vas devoir défendre, mon pote. Ok, donc il a mis le golem de glace en plus. Bon, par contre, il a bien gratté, hein. Il a bien gratté, il a super bien joué. Je trouve que le cochon était plutôt bien placé avec le golem de glace pour gérer le sorcier. Donc ça, c'est plutôt cool. On va mettre la tour à bombe. On va pas se casser la tête, voilà, petite tour à bombe pour gérer son petit push. Donc franchement, mon deck, les gars, il est vraiment... Vraiment beaucoup joué. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je crois que c'est la première fois que je crée un deck où qui est autant vraiment joué dans la méta. Et surtout, la méta là, qui arrive, en tout cas pour les joueurs à 6000 trophées, pour les joueurs à 6000 trophées comme moi, tout simplement, bah, là, cette saison, les gars, si ça va être vraiment une méta mineur contrôle, parce que c'est vrai que vu que le Molos a été nerf, les gars, on le verra plus trop. Donc honnêtement, parce que c'est vrai que le counter de mon deck, on va pas se mentir, les gars, c'est clairement Molos. Molos, c'est impossible de gérer avec mon deck parce que t'as que le sorcier de glace pour l'aérien. T'as que le sorcier, donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est limite ingérable le truc. Donc alors, attendez, je vais mettre un petit poison. Mais c'est vrai que Molos c'est assez compliqué. Vas-y, mets ton cochon. Mais là on n'en verra pas cette saison, donc vraiment si vous voulez jouer ce deck, enfin voilà, profitez les gars, il y aura sûrement pas très, enfin il y aura pas beaucoup de molos cette saison, donc vraiment profiter avec ce deck. Ok, je vais mettre un petit chevalier ici, mineur, vous avez vu comment c'est tranquille, hein. Mineur sapeur, hop, le petit push, tranquillou, hop, ça va pas quoi, on va pas se faire tout le monde non plus. Je vais mettre le petit poison parce que je sais pas quoi faire, je vais pas vomito, je vais mettre la petite tornade avec les gobelins. Belle boule de feu là, belle boule de feu. Oh, il a raté un gobelin. Petit mineur ici, hop, on finit la tour. GG mon pote, bien joué. Super combat. Hop, petit tour à bombe tranquille. Bon, vous avez vu, cochon, c'est assez tranquille avec mon deck. On a quand même la tornade et la tour à bombe. J'avoue, le mec, il est un peu en difficulté. Donc, franchement, ça fait plaisir. Petite victoire, voilà, plus 32 trophées. Ça fait toujours plaisir, mon gars, ça fait toujours plaisir. Bon, je suis actuellement 369e mondial. Ok, moi ça me va. On a pris 30 trophées, donc ça c'est cool. J'espère qu'on va toper sur un autre deck, histoire que je vous montre un peu bah, comment jouer. Genre un petit archi ou quoi, je dirais vraiment pas non. Allez, let's go pour la deuxième game, les gars. Ok, let's go. Tain, c'est cool, ça se trouve assez vite. Allez, on est parti. On va voir ce qui nous joue un peu. Alors là, on a quoi dans la main? On a pas mal de trucs, donc en vrai, peu importe ce qu'ils vont, on va pouvoir défendre. Ok, des gobelins à lance, ça peut être quoi? Ouais, ça peut être du Zapi ou du Mega Knight. Ah bah oui, Mega Knight, 100%. On va mettre les petits sapeurs, bon, il va peut-être mettre le méga. Ouais, il en a raté un, merci frérot. Il en a raté un, donc ça c'est cool. Je vais mettre ça ici. Ok, on va mettre les gobelins. Oh non, je les ai ratés. Non, les... Putain, je les ai ratés. Voilà, les gars, faut pas faire... Alors, avec ces decks, faut pas faire le mitro-goo. Je vous le dis direct, faut pas faire le mitro-goo. Petit chevalier ici. J'aimerais bien mettre les sapeurs, mais je pense que je pourrais pas. Hein. Quoique, ouais, il va peut-être les défendre avec un zap. Peut-être le zap. Ok, oh, le méga qui a acheté sur ma tour. Donc Mega Light pareil, hein. Mega Light en vrai, faut pas faire. En vrai, faut pas misclick, faut pas trop forcer non plus.
Et normalement, ça devrait faire tout seul. Hein. Méga chevalier, c'est assez. Ouais, c'est assez gérable, hein. Franchement, c'est assez gérable. Ok, petit sorcier au fond. Donc, on va mettre le mineur avec les gobelins. Ça fait mal un peu les gobelins quand même. Ça fait mal. Ok, il va remettre son méga ou pas? Non, ok, les gobelins qui grattent, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool par contre. Hein. Les gobelins qui ont bien gratté. Bah, là, on est bien. Hein. Le sorcier en plus qui en rajoute. Qui va rajouter 3 dégâts, je pense. Ok, ça c'est cool. Je vais mettre la tour à bombe ici. Avec le chevalier ici. Ok, le sorcier de glace aussi pour les gérer. Bah, les bats avec les méga knights. Ça c'est cool. Le méga au pire, il va. Bah voilà, le méga qui va sauter. Je vais peut-être mettre la tornade. Hein. Ouais, j'étais obligé. Parce qu'en fait, je voulais push, mais. Bah, je voulais pusher, mais bon, si je mettais juste les sapeurs, il a les zaps, tu vois, donc ça sert à rien. Fallait que je mette Miner Zap, obligé. Hein. C'est vrai que si vous envoyez les sapeurs tout seul comme ça, bah, le mec il va les zap et il va défendre trop facilement. Alors que là, si j'envoie Miner avec sapeur et les gobelins, là il va peut-être zapper, tu vois. Là il peut zapper. Voilà, là, bon zap de sa part. Ok, on va mettre, je pense qu'on va mettre ça. Petit chevalier, on va mettre ça ici. Oh, c'est du cochon. What? À quel moment tu sais du cochon? Cochon méga chevalier, les gars, nouvelle méta, what the fuck. Ok, je vais mettre ça ici. Il va sûrement mettre un méga chevalier. Méga chevalier maintenant. Ok, bon, j'avoue, c'est chiant à chaque fois. Alors, par contre, j'avoue, les méga chevaliers, les gars, c'est un peu chiant parce que les mecs vous spam de méga chevalier H24. Et j'avoue, c'est trop relou. Je vais mettre les gobelins ici. Ouais, Bouxy Gobelin pour le DDE. Vous avez vu les moves que je fais, hein. Ok, je vais mettre ça ici. Ok, je vais mettre le chevalier ici. Ouh, j'ai un peu raté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, normalement on prend la tour. Lui il pourra pas la prendre par contre. On va attendre encore un peu. Je vais mettre ça ici. Voilà, là j'ai bien joué. Non, il pourra pas finir ma tour. Petit mineur pour défendre, le poison pour finir. Et c'est le GG, on vient de gagner, vous avez vu, hein. Méga chevalier. Ça peut quand même être assez compliqué, hein, s'il commence à spammer ses trous. Mais vous avez pu voir qu'on a extrêmement géré cette game. Et voilà, vous avez vu, mon deck est ouf. Hein. En plus je force pas, tu vois, je suis pas non plus hyper focus. Et honnêtement, on gère plutôt bien, hein. Franchement, c'est... Voilà, après, à vous de gérer sur les moves et tout. Et n'envoyez pas aussi votre élixir bêtement, c'est pas non plus... Il faut pas non plus spammer avec ce deck, parce que tu peux vite te retrouver en difficulté. Mais tu peux, voilà, envoyer des petites attaques comme ça, c'est le but du deck. Faut envoyer des petites attaques, un peu tempo, hop, quand tu sens tac, t'envoies. Essaye aussi de splitter les sapeurs, tout dépend les decks. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment un deck assez chaud à jouer, mais une fois que tu sais le jouer à peu près correctement, je te jure, c'est un pur... plaisir, gros. Bon, du coup, on a pris combien de trophées? On a pris pas mal de trophées. On est actuellement combien mondial? Là, on est 294. Bah, écoutez, on a fait deux petites games assez sympas. Donc, c'est plutôt cool, hein. 294e monde. Bon, est-ce qu'on se ferait pas une petite troisième game quand même? On a vu du méga chevalier cochon. Allez, un troisième deck, genre PK ou Arkix. Moi, je dirais pas non. Et ben, let's go. Let's go, c'est parti pour la troisième game, les potes. J'espère que vous êtes chauds. C'est parti. Ok, les gars, on est parti. Oh, il a masse trophée en plus, lui. Hein. Là, c'est le plus 36, là. Là, c'est le plus 36 au Bahamas. Hein. Ok, donc là, il a mis quoi? Des squelettes. On va voir ce que c'est comme deck. Je vais mettre un petit sorcier de glace ici. Qu'est-ce que... Alors, à mon avis, c'est un deck rapide. Hein. Alors, déjà, il y a du zap. Ça, c'est cool. Alors, vu qu'il a zappé, on va mettre on va split les zappers. Ouh, la nouvelle carte. L'artificière. Ok, petit mineur ici. Oh, le sapeur qui a connecté. Avec le mineur, en plus, ça, c'est cool. Ok, c'est du golem. What? Ok, il a posé le golem, ben voilà, ben du golem. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent contre golem. Ben là, les gars, au moins, vous êtes servis. Un petit golem, c'est vrai que j'avais pas pensé au golem. Ben voilà, petit golem, vous êtes servis. On va mettre un chevalier au fond. Alors là, le golem first play, j'avoue, c'est pas ouf de sa part. Hein. Alors là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, c'est vrai que les joueurs de golem, ceux qui font ça en général, ça sert à rien de faire ça avec golem first play. En général, tu te fais défoncer, quoi. Donc là, on va mettre sorcier de glace avec Toragon. Vous avez vu, vous allez voir, hein, ça va défendre assez bien. Là, il va mettre son mineur. On va tornade tout ça. Voilà, petite tornade ici. Ok, petit gobelin. La tour qui va faire le taf, donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. On va mettre les sapeurs ici. Voilà, faut faire attention. Voilà. Le petit zap, bien entendu. Le petit zap, frérot. Je crois qu'on t'a pas vu ou quoi. Ok, on va mettre le mineur. On a gratté. Vous avez vu, on a mis un coup à droite. Hein. On a mis un coup à droite. Au lieu de mettre les sapeurs collés, on les a splittés. Et ça, par contre, voilà, essayez de splitter aussi, surtout contre les decks golem. Parce que le problème, c'est que si vous jouez sur la same line, enfin sur la même ligne, le problème, c'est que si à un moment il vous fait des gros push machin, vous pouvez jamais passer. Et ça peut vraiment devenir très 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 embêtant. Donc là, voilà, là il nous repose un petit golem. Bon, écoute, nous on a posé quoi? On a posé un petit chevalier. Je sais pas s'il a des sorts, genre style foudre ou quoi. Je sais pas du tout. On va mettre les gobelins ici pour aller embêter le golem. On va mettre
Alors j'ai peur en fait qu'il ait un... Ah mais il est fraîche, hein, il a quand même une flèche. Je vais mettre ça ici avec les sapeurs. Ouais, petit sapeur mineur, ça fait pas de mal. Par contre, j'avoue l'artificier qui va bien embêter là-dessus. On a la tour à bombe qui gère, donc ça c'est cool. Ok, je vais mettre la tornade ici. Petite auto, on va mettre le chevalier aussi, la bombe qui fait les dégâts, donc ça c'est cool. On va mettre les gobelins avec le chevalier. Voilà, là c'est la gérance. Vous avez vu comment on gère le golem, hein. C'est hyper gérable. Voilà, là il a mis carrément les flèches. On va mettre le petit mineur avec les sapeurs derrière. Ah bah ça va connecter même sur la tour du roi, hein. Normalement ça connecte sur la tour du roi largement. Vous avez vu comment on gère les decks, hein. On a un ladder en plus, hein. Je suis actuellement 300 mondes, hein. Je suis 300 mondes les gars. Ok, on va mettre la tour à bombe ici. On va mettre le sorcier ici, les gobelins rapidement pour pas que le D2 focus, ça c'est cool. Le millénaire, on va essayer de le pré-shot. Ben voilà, là ce que vous pouvez faire par contre, vous pouvez tornade ici. On active la tour, voilà, activation de tour du roi. On peut en mettre une deuxième si on a envie les gars, pour s'amuser. Et voilà, c'est tout simplement le GG. Et la nouvelle carte, on l'a bien défoncé. On va mettre le poison parce qu'on en a pas mis. Et c'est le GG, voilà, on a GG du golem, méga chevalier, cochon. Honnêtement, voilà, ce deck il gère. Franchement, vous gérez le deck les gars, vous pouvez battre presque tous les decks de la méta si vous jouez à peu près correctement bien. Les decks compliqués, je vous dirais que c'est Arkix et alors, match-up impossible c'est Molos, hein. C'est vraiment dur Molos. Alors ça dépend quel Molos. Le Molos ballon, je vous jure, vous pouvez gérer. Par contre les autres Molos c'est vraiment compliqué. Un Molos poison avec Nightwitch derrière c'est vraiment compliqué, mais voilà. Je dirais vraiment le seul match-up à peu près compliqué c'est Molos, mais si vous tombez vraiment pas beaucoup contre Molos, n'hésitez pas à récupérer mon deck. Donc voilà, là on est actuellement 228ème mondial, on est à 6200 trophées pratiquement. Bon, c'est la début de saison, voilà, début de saison, tranquillou, en plus il y a le nouveau skin. D'ailleurs, voilà, j'ai débloqué un nouveau skin qui est vraiment beau, on dirait l'espèce de Arkix sur les tours, donc c'est cool. Et voilà, le deck, je vous le mets bien sûr en description, n'hésitez pas à l'essayer si vous aussi les gars... Vous voulez faire un petit top 31 monde à 8000 trophées, hein, n'hésitez pas à le prendre. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé ces gameplays. Voilà, encore un peu désolé du retard, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les gars, je suis malade de ouf. Donc voilà, les lives reprendront bientôt. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé sinon cette vidéo. Plein de gros bisous, portez-vous bien, c'est important. En plus, là, c'est l'hiver, il y a la crève, la gastro, le Madaron en 4G, la gastro en 2G, frérot, c'est le bordel. Mais bon, voilà, protégez-vous bien, tranquillou. Moi, je vous fais plein de gros bisous, passez les meilleures des soirées, une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir. Gros bisous tout le monde, à une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à bombarder la barre des likes, ça fait toujours plaisir. Et gros bisous tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.